faire de la science-fiction sur la finance en parlant de crowdfunding juste avant Alain Damasio, bon, c'est un peu culotté quand même. D'autant plus que parler de futur quand on parle de crowdfunding, quand on est entrepreneur, quand on est un pionnier finalement du financement participatif, bah, finalement parler du futur pour moi c'est presque de vous parler de la seconde qui vient. Et puis bah, la seconde qui vient de passer. Nous sommes au présent, donc nous sommes déjà au passé. Merde, ça passe vite ce truc. Et en plus, j'ai que 15 minutes. Donc si je me mets à réfléchir au temps, je vais être fichu. Mais comme on parle de temps et donc de temps qui passe, et qui passe si vite, de plus en plus vite, c'est à se demander si ce n'est pas nous qui passons sur le temps. Eh bien, écoutez, je vais vous parler d'argent. On reproche beaucoup à la finance traditionnelle de plus en plus d'être une finance hors sol, très éloignée des projets et des besoins locaux, et donc le crowdfunding est porteur d'une promesse de mise en rapport entre une épargne locale et des projets locaux. En Méditerranée, le financement participatif a un impact positif en termes de création d'emplois, mais aussi en termes de diversification des outils financiers, et donc permet donc dans cette économie du partage de favoriser des projets qui ont une haute valeur ajoutée sociétale. Je vais peut-être effectivement mettre un peu les pieds dans le plat et bousculer quelques idées reçues. Le crowdfunding s'inscrit dans une économie plus globale, je dirais plutôt collaborative que de partage, qui pose quelques soucis et quelques questions, hein, notamment de partage des richesses et de modèles socio-économiques. Quand je suis un contributeur en finance participative, je sais où va aller mon argent et je sais quel projet il va financer, quelle destination, comment il va être utilisé. Je pense que c'est cette proximité-là qui est extrêmement importante dans le crowdfunding, qu'on soit aux Ambès ou en Corrèze. Je pense qu'au-delà du simple fait d'être intermédiaire, il faut regarder les impacts dans la société que ces projets génèrent. Hein, puisqu'on le sait tous, ce qui motive les gens à aller vers un projet, c'est beaucoup du domaine de l'affectif. On a besoin de se réaliser. Et donc on est sur le domaine des sentiments. Le crowdfunding, en réalité, existe en Afrique depuis des siècles. Il y a, à mon avis, un ferment extraordinaire pour développer des activités de crowdfunding sur ce continent. Les gens veulent avoir du lien, ils le trouvent au travers du crowdfunding. The UK is 75% of the European market. They have put £100 million or so into a few different platforms. It's a bitter irony that money attracts more money. So clearly the UK is doing something that's really promoting and facilitating these new ways of raising investment and distributing capital and fundraising. Le point de vue du banquier, mon métier c'est de décider du dossier à longueur de journée, à peu près un petit millier d'opérations par an, et c'est vrai que je trouve qu'il y a un monde relativement étanche entre le monde du crowdfunding et le monde de la banque. Le crowdfunding est passionnant et intéressant, et pas parce qu'il va concurrencer, ce qui serait idiot, la banque, mais parce qu'il invente d'autres choses. On a l'impression que la spéculation a été découverte en 2007-2008, lors de la crise, sauf que c'est un principe qui existe depuis bien des années. Et moi je suis assez pessimiste pour le coup, parce que je croise beaucoup de traders tous les jours au quotidien, dans la rue, dans les salles de marché parfois, qui me disent rien n'a changé, on fait juste plus gaffe quand il y a le régulateur qui se pointe, mais comme le régulateur ne comprend rien, on continue. Crowdfunding does not exist. What do we see today? Is this crowdfunding really? The majority of platforms have evolved from a place where the peer and peer were in the name to a place now that looks a lot more like traditional banking. When you go on to some of the largest peer-to-peer lending, or I should say marketplace lending platforms today, you will be asked for your FICO score and other information that's maybe collected by a bank as well. Pour être à l'équilibre, je pense qu'une plateforme comme la nôtre doit faire à peu près 100 millions d'euros de financement par an. Donc on en est très loin, même si on est de loin le leader en France. Donc c'est parce que c'est des métiers dont on ne mesure pas toujours quand on ne les a pas pratiqués. Je pense que Beryl sera d'accord avec moi, que derrière un joli site internet, il y a toute une machinerie à faire tourner, parce que c'est une usine de crédit en fait ce qu'on fait. Moi ce que j'aime bien dans la table ronde, la première et la deuxième, c'est l'ébullition que vous représentez. Et pour moi, c'est ça la réflexion principale. Vous êtes une industrie naissante. Donc le succès pour moi du crowdfunding, ce sera quand des grandes institutions financières choisiront une de ces plateformes pour dire « j'ai 100 millions d'euros ». Je veux atteindre les TPE, je ne sais pas le faire.
Les banques ne sont pas intéressées par ça, mais votre track record est tel, on viendra expertiser votre outil et il nous inspire suffisamment confiance pour vous confier 100 millions. Ça, ça sera le vrai test de marché. Il faut encore bouger les lignes de manière très forte pour qu'on ait une régulation non plus nationale, mais européenne, pour qu'un projet de Corrèze ou autre puisse avoir des financements qui viennent de toute l'Europe et plus tard, effectivement, du monde entier. Il faut vraiment prendre conscience du pouvoir de la foule et de cette réelle démocratie qu'aujourd'hui on a peut-être moins dans son droit, dans son bulletin de vote et plus dans le sens qu'on met dans son argent.